La médaille d'or, c'était pas un rêve, c'était clairement un objectif. Le contrat sportivement est rempli. L'objectif, c'était d'aller chercher une médaille d'or. Elle est désormais là. Ça a été quelque chose de grand parce que je savais que j'avais la possibilité de, justement d'aller chercher cette première médaille d'or paralympique pour la délégation française. Donc c'est cool, mais voilà, c'est pas non plus. Enfin, je suis content d'avoir pu lancer l'équipe de France. Je pense qu'au-delà de cette médaille, j'ai pu aussi profiter du public français qui a été incroyable tout au long de cette semaine. Nous a poussé, la piscine a toujours été pleine. Là, franchement, on a eu un soutien qui a été sans précédent. Les Jeux Olympiques à la maison, des finales sous haute tension, avec une ambiance qui était électrique. Je pense que ça a clairement joué en ma faveur, comparé à mes adversaires qui ont peut-être senti qu'ils n'étaient pas chez eux. Et ça, franchement, on l'a bien ressenti, et ça a dépassé toutes mes attentes. Je sais que pas mal de paranageurs m'ont dit qu'ils étaient étonnés d'avoir vu autant de monde dans les tribunes, d'autant plus qu'il y a 3 ans à Tokyo, on était sur des jeux à huis clos, donc sans spectateurs. Donc là, on a un peu fait le grand écart entre Tokyo et Paris. Est-ce que le grand public va continuer à s'intéresser aux compétitions parasportives, et ce, en dehors des Jeux paralympiques? L'enjeu est véritable. Est-ce qu'on aura du public sur les championnats d'Europe, sur les championnats de France ou même des championnats du monde de paranatation? Ça, je ne sais pas. En tout cas, je l'espère. Je pense que Paris 2024 a créé quelque chose.